députés, mesdames et messieurs les élus, plusieurs parts du territoire, de la ruralité jusqu'à la vie nouvelle de 50 ans de Neuville. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir permettre, grâce à l'action du CIDFF, du territoire, de l'usine à chapeau et du ministère, la réouverture d'une permanence juridique du CIDFF. Quand vous êtes venu me voir en octobre pour me présenter l'ensemble des actions menées, déjà j'étais très impressionnée par la diversité des actions que vous menez et puis l'ampleur aussi du territoire que vous couvriez. Mais il y avait un manque, il y avait un trou dans la raquette. C'est qu'il n'y avait plus de permanence dans le sud du département et dans notre ruralité. Or, la question de l'accès aux droits pour les femmes, c'est une question qui se pose partout sur le territoire. Ça se pose sur toutes les catégories sociales, et puis ça se pose à la fois sur nos territoires urbains et nos territoires plus ruraux. Il n'y a pas de raison qu'en fonction de son code postal, en fait, on n'ait pas le même accès aux droits. Mais c'était ça la question qui se posait, puisque de fait, des femmes étaient empêchées de pouvoir avoir accès à vous, et donc grâce à vous, par votre intermédiaire, de mieux connaître les droits qui sont les leurs, et d'engager ensuite les démarches nécessaires. Et donc j'ai sollicité Marlène Schiappa, donc la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, en octobre dernier, et dès le mois de novembre, fin novembre, elle m'a appelé pour me dire que les 14 000 euros manquants seraient donc débloqués chaque année, de manière à permettre que cette permanence juridique puisse être recréé, donc il se tiendra tous les lundis, mais je pense que vous y reviendrez après, ici, à l'usine à chapeau. Je crois qu'en effet, c'est un très beau symbole que ça se tienne ici, dans un lieu vivant, dans un lieu accueillant, dans un lieu chaleureux. C'est pas un lieu froid dans lequel on vient, et je pense que c'est aussi bien d'accueillir les femmes qui, parfois, sont en difficulté, en précarité, ou sont victimes de violences. Bien, les accueillir dans ce type de lieu, ce n'est pas la même connotation aussi, et je pense que c'est sera peut-être plus facile aussi pour elle de franchir la porte de l'usine à chapeau pour venir vous voir. Et je pense que ce sera essentiel dans leur démarche. Je vais dire quelques mots quand même sur cette journée un peu particulière qui est celle du 8 mars. On est entouré par des femmes remarquables du territoire dans plein de domaines différents. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. J'aimerais que certaines marques, d'ailleurs, on en parlait, le comprennent. Ce n'est pas la fête de la femme. Donc je les remercie pour les promotions qu'elles font aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment l'enjeu de cette journée. L'enjeu de cette journée, c'est de rappeler que ça reste un combat, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et que ça n'est jamais un acquis. Et que quand on baisse un peu la garde, quand on baisse notre vigilance, notre attention sur ces sujets-là, et bien malheureusement, les droits des femmes régressent. Et on le voit dans des pays qui ne sont pas très loin des nôtres, sur la question de l'accès à nos droits les plus fondamentaux, l'intégrité de notre corps, la liberté à disposer de notre corps. Et malheureusement, il faut qu'on reste toutes et tous extrêmement vigilants en cette matière-là. Et plus on favorisera l'accès aux droits des femmes, mieux ce sera. Et puis on a des nouvelles difficultés qui se font jour, notamment l'une d'entre elles, et notre territoire n'y échappe pas, qui est la question des familles monoparentales, des mères isolées, notamment la question des pensions alimentaires. Et moi, dans les permanences aussi que je peux animer ou qu'on anime en tant qu'élu, eh bien, j'ai reçu malheureusement un certain nombre de femmes, je pense que des mères aussi, mères AIRES, en ont reçu, qui malheureusement eh bien, se retrouvent dans une précarité parce que les anciens compagnons, conjoints, ne versent pas la pension alimentaire. Et c'est des démarches qui sont difficiles pour les femmes, parce qu'aller en justice face au père de ses enfants, c'est quelque chose de qui est extrêmement douloureux, extrêmement compliqué, qu'elles ne font pas toujours. Et donc là, on travaille pour avancer sur ce sujet-là, pour qu'il y ait une agence de recouvrement de l'État, pour qu'il y ait un intermédiaire entre les deux parties, et que du coup, les situations soient facilitées, et qu'en cas d'insolvabilité réelle ou de mise en insolvabilité parfois de certains, eh bien, l'État vienne en complément, évidemment, pour accompagner ces femmes, pour qu'elles ne tombent pas plus dans la précarité. Et ça, je pense qu'il faut aussi qu'on ait cette vigilance sur l'ensemble de nos territoires. Et puis enfin, évidemment, je dis devant la capitaine, sur la question des violences qui sont faites aux femmes, rappeler un numéro quand même, le 3919, parce que je pense qu'on est tous acteurs. Le 3919, il ne faut pas uniquement l'appeler quand on est soi-même victime. Il faut aussi que nous, tous, toutes, on appelle ce numéro si on a une suspicion de violence, le cas aussi pour les violences intrafamiliales, la question de la protection de l'enfance évidemment, mais sur la question des violences faites aux femmes, je pense que si on a ensemble une vigilance renforcée, eh bien on évitera aussi que des drames puissent exister. On a 30 femmes depuis le début de l'année,
pas un beau chiffre, 30 femmes depuis le début de l'année qui ont été tuées sous les coups de leurs conjoints, compagnons ou anciens compagnons. Et il faut aussi qu'on se dise qu'on a tous une part à jouer dans ce domaine-là pour accompagner les femmes du mieux possible. Et je sais que grâce à des lieux comme celui-ci, des permanences comme celles que vous allez pouvoir tenir, des collectivités, des associations qui s'engagent, je pense qu'il faut qu'on joue très collectif en la matière, et je pense que c'est le cas ici, parce que c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous, la question de l'égalité, la question de la lutte contre les violences, et je suis très heureuse en tout cas que grâce à vous tous et à la mobilisation qu'on a pu avoir, eh bien, vous reveniez ici à Rambouillet et que les femmes du coup puissent y revenir et peut-être découvrir aussi bien d'autres activités de l'usine à chapeau. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'engagement que vous avez au quotidien pour elles et eux, hein, parce que c'est aussi non seulement la question des femmes, mais aussi de la famille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle un peu plus des femmes. Et je souhaite surtout qu'à la fois, on ait plus besoin de vous immédiatement, mais peut-être un peu moins dans la durée sur certains sujets. Voilà, je pense que ce sera aussi une victoire collective si on arrive à ce que, enfin, ces chiffres ne soient plus martelés chaque année, mais arrivent enfin, grâce à une mobilisation collective et citoyenne, à baisser. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, bienvenue à Rambouillet, donc au CIDFF.